Bonsoir. Pour reprendre le slogan bien connu, et je crois que vous en conviendrez, il se passe toujours quelque chose à Mystère. Mais ce soir, je crois que la formule est tout à fait de circonstance. L'homme que nous allons vous présenter n'est vraiment pas comme les autres. Jean-Marie Laforgue, un Français âgé de 38 ans, a en effet des pouvoirs absolument incroyables et vous allez en avoir la preuve ce soir. Ce qu'il a fait pour Mystère, nous ne connaissons personne d'autre capable de le faire. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous ne pouvions pas y croire avant de nous livrer à cette expérience extraordinaire que vous allez voir, qui a eu lieu l'autre jour, en plein Paris, et je le précise tout de suite, sous le contrôle d'un huissier. Les yeux bandés, complètement aveugles, Jean-Marie Laforgue a piloté une grosse moto dans la circulation parisienne, dans le noir absolu, en aveugle donc, et pourtant, comme s'il y voyait, avec une aisance déconcertante. Imaginez un peu, sparadrap sur les yeux, coton, bandeau, cagoule, il s'est lancé dans les embouteillages parisiens pour un fabuleux périple que les caméras de Mystère naturellement ont filmé, vous allez le voir tout à l'heure. Il explique que c'est grâce à un don de dédoublement qu'il réalise de telles performances. Mais ce médium, car Jean-Marie Laforgue est un médium complet, est capable de beaucoup d'autres choses. Et c'est pourquoi vous allez ce soir le voir se livrer sous vos yeux sur ce plateau à des expériences comme vous n'en avez jamais vues, sauf peut-être au Music Hall. Mais avec lui, il n'y a pas de Music Hall, il n'y a pas de truc, il y a surtout des pouvoirs psychiques hors du commun, apparemment obtenus par une intense méditation et une recherche spirituelle aussi, qui font véritablement de Jean-Marie Laforgue un chaman en quelque sorte des temps modernes. Cela dit, les autres mystères de notre programme ce soir ne sont pas moins surprenants. Les voici donc résumés en quelques images, comme d'habitude. Le fantôme d'Hassan Dina. C'est près de Genève, au château des Avenières, que plusieurs personnes dignes de foi ont rencontré Hassan Farid Dina, mort en 1938, et qui continue de hanter cette étrange demeure où il séjourna de son vivant. Décembre 1980, la base de Bentwaters, des milliers d'autres depuis le fond des âges, il cherche la pierre philosophale. Changer toute matière en or, prolonger la vie. À l'aube du troisième millénaire, le rêve des alchimistes est toujours d'actualité. Jean-Marie, bonsoir. Asseyez-vous là. À côté de Jean-Marie Laforgue, Maître Callot, huissier de justice. Bonsoir. Et Ranqui. Ranqui, il préside un comité d'expérimentation et d'expertise des phénomènes paranormaux pour le compte de tous ses confrères, car il est illusionniste. Et Ranqui est là pour voir si l'expérience à laquelle va se livrer Jean-Marie Laforgue est truquée ou non. Car plonger ses mains dans l'huile bouillante pour en retirer des frites que l'on va faire cuire. Alors, je voudrais d'abord demander à Ranqui et à Maître Callot des précisions sur ce qui s'est passé juste avant que Jean-Marie Laforgue entre en plateau, car naturellement, vous avez voulu surveiller tous les deux qu'il n'y avait pas de trucage, pas de préparation. Alors, on a emmené Jean-Marie Laforgue se laver les mains, et à la demande de M. Ranqui, il s'est lavé deux fois les mains, à l'eau et au savon, pour éviter la persistance d'un gel éventuel sur la peau. Parce que dans votre métier, Ranqui, on fait des trucs de ce genre-là en se préparant les mains avec un gel qui empêche la brûlure, c'est ça ? Un gel ou d'autres produits. Toutes sortes de produits. Okay. Et là, là, il n'y a absolument rien sur les mains. Bon, vous êtes sûr qu'il n'a rien sur les mains ? Je suis certain, oui. Bon, où en est cette huile ? Elle devrait chauffer. Maintenant, je vous laisse faire, Jean-Marie, parce que... J'irai pas jusqu'à mettre mon doigt dedans pour voir si elle est chaude. Ah, le bruit, écoutez. Si je mets mon doigt dedans, je vais me brûler, moi. C'est du... Mais votre main est froide. Ah oui, c'est la concentration qui le permet. Non, attendez, je comprends pas. Votre main, elle est presque glacée. C'est-à-dire que la préparation pour pouvoir plonger ses mains dans l'huile boulante, c'est assez logique que vous ayez les mains froides plutôt que chaudes. Mais...
Ça, c'est l'effet du travail que vous avez effectué sur vous-même. C'est-à-dire qu'avant de faire cette expérience, vous arrivez à réduire votre température au point que votre main, montrez-moi l'autre, ses mains sont absolument gelées. Vous ne pouvez pas en dire plus sur la façon dont on arrive à faire ça? Est-ce qu'on serait tous capables de le faire? Non, parce que je suis obligé de changer certaines fréquences dans mon corps. C'est-à-dire? Je change des fréquences de respiration, du contrôle mental, pour diminuer certains cycles au niveau énergétique dans le corps. Ce qui vous interdit peut-être d'enchaîner des expériences très différentes qui exigent de vous... J'ai besoin d'un temps d'adaptation entre chaque expérience. D'accord. Sinon, je ne peux pas les réaliser. Bon, là, ça chauffe vraiment beaucoup. Vous pouvez nous en prendre quelques-unes? Absolument. Excentré. Je ne suis pas brûlé. Non, je ne sais pas des blagues. Ah, mais il faut que l'huissier prenne une frite. Sinon... Et ça vous brûle pas? Ça sent très très chaude. Bien, Rocky, alors qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, là, à mon avis, l'huile doit être au moins 160, 180 degrés, à peu près. Il a vraiment plongé les doigts jusque... Oui. Les deux phalanges, quoi. Oui. Ouais. Bon, alors, selon vous, okay. Là, pas de truc d'illusionniste. Ok. Là, je ne sais pas. Bien, merci Rocky de cette expertise, merci Maître Callot de votre concours. Et Jean-Marie, on vous retrouve donc tout à l'heure dans le film de mystère pour cette traversée de Paris absolument extraordinaire. Merci. C'était l'héritier d'un Maharaja. On dit aussi qu'il était philosophe. Il est mort en 1938, il y a 55 ans. Mais dans l'étrange demeure où il vécut, il continue de se manifester. Et le château des Avenières, près de Genève, est toujours le théâtre de phénomènes étranges. Voici donc l'histoire du fantôme d'Hassan Farid Dinah. Situé à quelques kilomètres de Genève, le château des Avenières n'est indiqué nulle part, comme s'il fallait respecter son secret. C'est au détour d'une route perdue qu'il apparaît soudain. Un château magique et étrange qui abrite dans ses pierres l'esprit de celui qui l'a fait construire, le petit-fils d'un Maharaja, le prince Hassan Dinah. Un architecte l'a acheté sur un coup de foudre en 1981. Il y vit depuis comme si le destin avait décidé pour lui. C'était une rencontre assez fulgurante, je dois dire. Quand j'ai rencontré le château, il s'est très vite établi une forme de dialogue. Ce sont des pierres qui parlent. Ici, il faut toujours s'attendre à quelque chose. Il se passe toujours quelque chose et ça vient toujours au dernier moment. Ce n'est jamais programmé à l'avance. On ne peut pas s'attendre à quelque chose et le préparer. Ça vous tombe dessus. C'est 2 ans après qu'il se soit installé dans le château que les phénomènes ont commencé. En pleine nuit, Pascal Osserman fut soudain témoin d'une étrange manifestation. Il devait être 1h du matin et je me réveille, je regarde la porte, je vois une main qui tient une lampe de poche. Je me dis, bon, c'est certainement un de mes copains qui est venu me faire une blague ou je sais pas quoi. Toutes les fenêtres étaient fermées, les portes fermées à clé, pas une âme qui vive dans le château. Je sors, la main se recule. Étrangement, Pascal se sent sous l'emprise de cette main qui le guide et l'entraîne dans les couloirs du château. Ça m'arrive assez souvent de rêver. On fait la part des choses entre le rêve et la réalité. Mais quand j'ai vu cette main, quand je l'ai suivie, j'étais totalement conscient que je ne rêvais pas. Je suis la main pendant un bon bout de temps et puis tout d'un coup... C'était ma première rencontre avec une entité visible qui soit autre chose qu'une sensation. C'est Hassan Dinah. Pascal a reconnu l'ancien propriétaire du château, le richissime prince Hassan Dinah, un mystérieux savant féru d'astronomie qui parcourut le monde et trouva la mort en Égypte, où il fut enterré en 1928. Le château des Avenières a fasciné de nombreuses personnes. Dans les années 60, les jésuites y installèrent un collège. On parlait d'un trésor caché. Il y avait en effet un trésor... Et il était dans la chapelle, occulté par de tristes panneaux de bois qui recouvraient les murs. Car ce trésor, c'était ces 22 mosaïques de couleurs et d'or fin, représentant les 22 figures du tarot. Le prince Hassan Dinah avait fait venir de célèbres artistes italiens pour les réaliser.
l'esprit d'Assandina habiterait-il toujours le château? Un soir, alors que Michel Blanc, un ami de passage dans la région, discutait avec Pascal Osserman dans la bibliothèque, ils sont soudain surpris par des bruits mystérieux venant de la pièce voisine. Des bruits qui ressemblent à des craquements et la sensation d'une présence surnaturelle qui les attend. Ce qu'ils vont découvrir derrière la porte va les bouleverser. On peut appeler ça un fantôme, puisque c'est le mot qu'on donne à ces choses-là. On appelle ça un fantôme. Moi, je dis que c'était une présence d'un esprit, ou un esprit qui est fort et qui arrive à se faire voir. Ah, il y a une présence au château, oui, ça c'est très net. Et cette présence, non seulement on la ressent, parce que c'est quelque chose qui se ressent quand quelqu'un est dans une pièce et on a parfois l'impression de quelqu'un, mais sans pouvoir le définir, plus que quand vous avez quelqu'un dans une salle ou dans la pièce à côté. Mais par contre, on l'entend très souvent. On entend des pas, on entend des pieds qui traînent, qui montent, qui descendent des escaliers. Pour Pascal, l'âme du prince Assandina est omniprésente et veille sur les avenirs. Nombreux sont ceux qui l'ont vu ou entendu dans les multiples pièces du château. Mais l'endroit où l'on ressent le plus la présence du prince, c'est cette chapelle étonnante dont il a dessiné les moindres détails, comme s'il avait voulu dédier ce lieu aux sciences occultes. Et c'est là que Pascal et l'un de ses amis vont être témoins d'un phénomène merveilleux. L'un des dessins semble soudain prendre vie, et l'oiseau bariolé de la mosaïque s'est mis à voler. Pascal m'avait parlé de cet oiseau à plusieurs reprises, mais je dois dire que j'étais très sceptique, parce que en regardant cet oiseau, enfin sur le vitrail, il avait des couleurs assez extraordinaires, rouge, bleu, que je ne connaissais pas. Je ne suis pas un ornithologue, je ne suis pas un spécialiste des oiseaux, mais j'avoue que j'avais rarement vu un oiseau de ces couleurs dans nos contrées. Cet oiseau n'avait pas du tout l'air affolé, il se promenait dans la chapelle. Ce que je trouve étonnant, c'est que cet oiseau perdure après toutes ces années et continue à, entre guillemets, hanter le château, ce qui est extraordinaire. Il ne s'agit pas d'un oiseau fantôme, mais c'est un oiseau de plumes et d'os qui vole et que plusieurs personnes, en dehors de moi, ont vu. J'ai découvert le château des Avenirs lors d'un reportage que j'ai effectué dans la région. J'étais très étonné de voir des femmes habillées en hindou ouvrir la porte. Et là, je ne comprenais plus où j'étais. Je suis quand même au Mont Blanc, un château des hindous, parce que je suis tombé dans une secte. J'étais complètement paumé, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ce que Cyril de Plater ignorait, c'est que le propriétaire des lieux avait épousé une indienne. À son tour, il va découvrir l'atmosphère étrange du château et va être confronté à de curieux phénomènes. Le premier jour, lorsque j'ai commencé à réaliser le reportage sur le château des Avenirs, j'installe mon matériel. J'avais fait un petit repérage juste avant. Et au moment de faire mes photos, j'ai mon flash qui a explosé littéralement. Donc j'étais assez embêté et puis assez effrayé de ça, puisque ça ne m'est jamais arrivé. Et bon, après avoir changé mes torches, je remets tout en place. Et c'est à ce moment-là où, après avoir réussi à faire 2-3 photos, mon boîtier se bloque avec des accus complètement neufs. Donc je ne comprenais pas ce qui se passait. Et d'un seul coup, les accus que je venais de remettre se vident entièrement, mais non seulement ceux-là, mais ceux que j'avais d'avance, que j'avais emmenés avec moi dans mon sac. Là, j'étais vraiment très ennuyé, je me demandais ce qui se passait, et c'est à ce moment-là je suis allé voir Pascal Osserman pour expliquer. Je dis, je comprends pas, mon flash explose, mon boîtier se bloque, toutes mes batteries se vident, et qu'est-ce qui se passe? Alors là, il était super, parce qu'il m'a regardé avec l'air amusé, il m'a dit, mais c'est normal, ça arrive souvent ici, des fois, on ne peut pas photographier. Suite à ça, j'ai arrêté, j'ai recommencé le lendemain. Cela fait aujourd'hui 13 ans que Pascal Osserman vit au château. Et il est maintenant convaincu que le prince Assandina y vit aussi. Je ne me sens pas du tout investi d'une mission quelconque. Je ne suis pas... Ce serait vraiment trop prétention de dire que je vais y continuer l'œuvre de Dina qui me dépasse largement. Mais
je sens que je suis au service de ce qui se passe ici. Et si vous voulez me donner le nom de serviteur, je le prends volontiers. L'atmosphère de ce château est-elle si étrange qu'elle impressionne tous ceux qui l'approchent, provoquant chez eux des sortes d'hallucinations? Ou bien, ces phénomènes mystérieux sont-ils la preuve que l'âme du prince Hassan Dina règne encore sur les avenirs? Pascal Ozerman est avec nous, naturellement, propriétaire de ce château, de cette demeure. Les événements qu'on a vus dans le film ont eu lieu durant les années 80. Est-ce qu'Hassan Dina est toujours là? Hassan Dina est toujours là, absolument. Vous l'avez revu? On le revoit, on le sent tous les jours. C'est comme ce que j'ai dit. Mais je crois que ce qui est beaucoup plus intéressant, on a vu tout l'aspect fantastique d'Hassan Dina. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'était également un très grand scientifique et qui était également imbu de toute la science traditionnelle. C'est un homme qui a étudié l'hindouisme, qui a étudié le bouddhisme chinois, etc. Et quelque part, il a sorti une forme de cosmologie où il a expliqué l'ensemble de ces phénomènes. Il a écrit deux livres, dont un qui s'appelle « La destinée, la mort et ses hypothèses », où il décrit les phénomènes que nous avons vus. Dites-moi là, dans le film, quand cette main vous apparaît, vous semblez ne pas avoir eu peur du tout, et je dirais même qu'on avait l'impression que vous vous rendiez à un rendez-vous, comme si vous l'attendiez. Non, l'explication n'est pas tout à fait celle-là. J'ai l'habitude de ces grandes maisons, puisque j'avais vécu pendant 15 ans dans un espèce de petit château à côté, en Haute-Savoie. Et j'ai pris l'habitude d'avoir des amis qui venaient impromptu venir me déranger ou venir pour s'amuser, en fait, et venir jouer les fantômes. Vous avez d'abord cru une blague, oui. Oui, oui. Vous n'avez jamais eu peur, à aucun moment? À aucun moment, non. Pas du tout. Dorothée Coquelin-Bismont, presque une habituée de mystère, est en tout cas une habituée des fantômes. Vous nous avouez que vous avez, vous, rencontré des fantômes. Ça vous a fait peur, non? Oui, sans aucun plaisir. Et je n'ai pas toujours réalisé tout de suite qu'il s'agissait de fantômes. Il y a toutes sortes de fantômes. Il y a des fantômes qui sont vraiment des âmes en peine. Maintenant, vous êtes une habituée, mais la première fois, vous avez eu peur, j'imagine, non? Mais si ça recommence, je ne dis pas que j'aurais pas encore un petit frisson désagréable. Maintenant, c'est vrai qu'on commence à s'habituer. Mais les premières fois, c'est assez dur. Et on peut rencontrer aussi des êtres qui semblent en chair et en os et qui sont en fait dématérialisés. Oh. Il y a des histoires comme ça. Ah, ça c'est intéressant parce que Hassan Dina, dans le film, et Pascal Ozerman peut-être nous le confirmer, on a l'impression qu'il est tangible, il n'est pas évanescent, c'est pas une espèce de forme fumeuse. Non, il devient tangible par moments. On en parlera avec Samuel Lepastier, qui est l'Association française des psychiatres, car... comme toujours dans ces cas-là, il y a peut-être une explication psychiatrique ou des cas analogues. Je ne dis pas que vous êtes fou, loin de là. Il y a beaucoup d'hallucinations après les deuils. Si vous voulez, je vous laisse terminer, on viendra plus tard là-dessus. Et comment vous pouvez expliquer ça? Est-ce qu'il y a une explication psychiatrique des fantômes? Il n'y a pas d'explication. Oui, je dirais qu'on va parler des hallucinations et des fantômes, si vous voulez bien. Les hallucinations visuelles sont extrêmement rares. Mais je vous coupe tout de suite, oui. Parce que dans le cas d'Hassan Dina, il y a quand même un truc très intéressant. C'est que sur plusieurs années, plusieurs personnes ont vu le fantôme d'Hassan Dina et ce fameux oiseau dont il faudra qu'on reparle. Alors, s'ils sont plusieurs, on ne peut plus parler d'hallucination, on ne peut plus parler d'un seul psychisme qui fonctionnerait différemment. Pas forcément. J'ajouterais quand même, puisque vous me poussez un peu, c'est que dans toutes les histoires de spirites, dans toutes les histoires d'apparitions, la proportion de fraude, de mystification est extrêmement élevée. Même les personnes qui s'occupent de spiritisme ont reconnu qu'il y a eu énormément de mystifications. Donc, sur ce point... Pascal Ozerman n'a pas été mystificateur. Sur ce point, je vous fais confiance. Donc, c'est une hypothèse qu'on écarte. Okay. Donc, je vous disais que les hallucinations visuelles étaient extrêmement rares. C'est surtout des hallucinations auditives qu'on a en psychiatrie. Hallucinations visuelles se voient dans trois cas, et dans trois cas seulement. Soit dans des délires aigus, l'état d'agitation, ou quelqu'un... totalement disjoncté. Je crois que là, encore. On peut l'exclure. Deuxième hypothèse, effectivement, c'est les états confusionnels après prise d'un toxique, prise de l'SD, ou éventuellement délirium tremens, où on voit des petites bêtes. Là aussi, je crois qu'on peut l'exclure. Alors, que reste-t-il? Il reste ce qu'on appelle les hallucinations hystériques.
le mot est mal choisi, mais c'est comme ça. Une connotation péjorative, l'hystérie. Oui, oui, mais dans le sens du public. Mmh. On peut dire qu'il s'agit plutôt d'hallucinations liées à un dédoublement partiel de la personnalité. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la personnalité qui ne se rend pas compte de ce qu'elle fait par rapport à l'autre. Et dans ces conditions, les sujets confondent un peu les rêves et la réalité. Ok, il y a autre chose dans ce film, il ne faut pas oublier d'en parler, c'est l'oiseau. Ah oui. Et quand on voit cet oiseau, on pense au sens populaire qui parle d'oiseau de mauvais augure. Et c'est vrai que souvent, dans ces histoires paranormales, les oiseaux s'inquiètent un peu, ils ont un drôle de rôle. Qu'est-ce que ça signifie ? Il semble que les oiseaux ont une sensibilité particulière au courant, au courant invisible. Et vous savez, déjà au temps des Étrusques et chez les Romains, on faisait énormément de divination en observant les oiseaux. Et ça a continué, on l'a fait dans pratiquement toutes les civilisations antiques. Et ça a continué jusqu'à une date récente. Vous avez par exemple en Bretagne les traditions qui pensent que les marins péris en mer, leur mort est annoncée par les oiseaux, ou ils reviennent sous forme d'oiseaux. Il y a énormément de légendes locales qu'on devrait étudier et prendre au sérieux. Il y a quelque chose quand même d'assez surprenant, c'est la mémoire des pierres. Dans les pierres, il y a une énergie spirituelle, et les pierres peuvent s'imprégner aussi des vibrations. Toutes les pierres de votre château sont imprégnées des vibrations qui avait mis le propriétaire précédent. Donc il est tout à fait normal que cette pierre en garde la mémoire. Oh, pensez-vous que les monuments religieux ne soient pas imprégnés aussi de quelque chose? On va quitter la Haute-Savoie pour la Bretagne. Ah oui, alors ça c'est une histoire, c'est un témoignage vécu. C'est une personne qui a fait construire une maison en Bretagne, qui a fait construire une maison sur une falaise et qui pensait jouir de la tranquillité, de la vue sur la mer et tout. Et dès la première nuit, il a commencé à avoir des bruits, des manifestations infernales, au point de vue bruit, vacarme, fracas, toute la vaisselle s'est brisée en morceaux dans le vaisselier. Enfin, ça n'était pas, elle ne pouvait pas rester dans son lit. Alors, elle a fait une enquête en se disant, c'est curieux, ma maison est pourtant neuve, je ne vois pas qu'il y a un fantôme. Et puis tout d'un coup, elle a pensé aux pierres. Alors, elle a demandé à l'entrepreneur qui lui avait fourni les pierres d'où il avait pris les matériaux avec lesquels sa maison avait été construite. Et il s'est avéré à la fin de l'enquête que les pierres avaient été prises dans un château hanté du voisinage. Et donc, les pierres installées dans la nouvelle maison avaient trimballé leurs fantômes avec elles. Voilà. Écoutez, Pascal Ozerman, je vous remercie. Docteur Samuel Le Plastier, merci beaucoup d'être venu. Je pense qu'il faut que vous poursuiviez votre conversation tous les deux. Merci Dorothée Coquelin-Bismont et à bientôt peut-être. En matière d'OVNI, c'est-à-dire d'objets volants non identifiés, il faut bien reconnaître que le secret, la désinformation, la censure, hélas, sont souvent la règle. Combien d'affaires ont été ainsi étouffées alors qu'elles auraient pu peut-être faire avancer la recherche? Mais enfin, malgré cette conspiration du silence, il arrive parfois que certaines de ces affaires ressortent quelques années plus tard, et surtout quand les témoins se mettent à parler. Il semble bien que ce soit le cas pour ce qui s'est passé en décembre 1980 dans une base militaire américaine en Angleterre. Déjà venu d'ailleurs d'un mystère, est un scientifique pur et dur, je peux dire ça. Directeur de recherche au CNRS, au Centre de recherche de biophysique moléculaire d'Orléans, et son métier c'est de traquer les traces de vie dans l'univers. Mais avec Richard Nolan, ce qui est formidable, c'est qu'on voit le problème des ovnis sous un jour complètement nouveau. Votre livre s'appelle « Autrefois, les extraterrestres ». Et rien que le titre semble indiquer que d'après vos recherches, entre l'humanité et l'espace, les ovnis, finalement, c'est une très très vieille affaire. Oui, parce qu'on pense généralement que les ovnis sont apparus d'un coup en 1947 aux États-Unis et qu'ils ont été imposés par la presse. Vous êtes quand même remonté jusqu'à l'ère pré-chrétienne et même jusqu'à la préhistoire. Oui, c'est-à-dire qu'on a trouvé dans l'archéologie des indices qui pourraient laisser penser que le phénomène OVNI lui-même a été observé. C'est passionnant, André Braque, parce que je ne sais pas si vous connaissez les OVNI sous cet aspect, mais dans son bouquin, il y a des centaines d'indices. Il nous parle de deux tableaux absolument extraordinaires. Il y en a d'ailleurs qu'on connaît bien, 10,
1710, c'est Art van Gelder. Il y a un baptême de Saint-Jean absolument hallucinant. Oui, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est de voir qu'au-dessus donc de la scène qui est censée être la scène principale, on voit une représentation de quelque chose, d'un objet lenticulaire, si on peut dire, avec des rayons en dessous, des rayons lumineux tronqués. Et finalement, on s'est aperçu que, oui, il y a beaucoup d'histoires d'OVNI modernes où ces rayons apparaissent. André Braque, vous êtes déjà, vous, en tant que scientifique, intéressé à cet aspect des extraterrestres et des ovnis, de plonger dans l'histoire ancienne, de rechercher les témoignages, parce qu'il y en a des dizaines, Tite-Live, Plutarque, Virgile, ils ont tous témoigné d'observations de ce genre. Et finalement, ça en dit quand même long, c'est une vieille histoire. Oui, vieille histoire. Nous sommes convaincus de l'honnêteté de ces témoignages, de la bonne foi de ces témoignages. Mais en tant que scientifique, le problème OVNI est un problème irritant car c'est un phénomène qui est possible mais qui à nos yeux n'est pas prouvé. Possible parce qu'on a maintenant identifié et fait l'inventaire de ce qu'il fallait pour que la vie émerge quelque part. Ces conditions ne sont certainement pas limitées à la Terre. Donc ces conditions, par exemple les molécules organiques dont nous sommes faits, se fabrique d'une manière importante dans le cosmos. Donc statistiquement, il peut y avoir de la vie ailleurs. Il suffit d'avoir une planète qui est à la bonne distance, à la bonne taille, à la bonne distance du Soleil pour qu'elle héberge de l'eau liquide et pour que la vie puisse apparaître sur cette planète. Actuellement, ce qui nous gêne beaucoup, c'est que nous n'avons pas de preuves de l'existence de ces planètes. Oui. Mais vous ne trouvez pas troublant quand même que nos ancêtres d'il y a 5, 6, 7 000 ans, dans leurs dessins, et plus tard quand il y a eu l'écriture et qu'il y avait des gens pour écrire, rapportent des observations qui ne pouvaient pas sortir de leur imagination et puis surtout qui ne pouvaient pas être des copies puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'engin aérien d'origine terrestre. Ça ne vous trouble pas quelque part? Tout le monde reconnaît l'existence de phénomènes lumineux. Il y a des observations faites par les astronomes scientifiques, ouais, comme moi, qui retracent avec précision dans leur cahier de labo d'observation l'existence de phénomènes lumineux. Tout réside dans l'interprétation. Ce que nous aimerions avoir, moi personnellement, je souhaiterais avoir une preuve de la visite d'un vaisseau spatial, c'est évident. Le film qu'on vient de voir, c'est pas parce qu'il est colonel qu'il est plus digne deux fois de quelqu'un d'autre, mais enfin vous voyez tous ces officiers américains faire des rapports précis, c'est pas des allumés complets. Non, absolument, hein? Mais je pense qu'il y a des phénomènes lumineux actuellement. Je parle en 94. Les méthodes d'analyse sont tellement fines qu'on peut, sur un grain d'origine extraterrestre qui fait un millième de millimètre de diamètre, donc c'est pas gros, sur un grain de cette taille, on peut dire si ce grain vient de l'espace ou s'il appartient à la Terre, en moins d'une journée. Donc, ce que notre espoir maintenant, c'est que lorsqu'il y aura un phénomène lumineux, anormal, et s'il y a trace sur Terre, qu'on le mette un cordon autour de ces traces, qu'on fasse des prélèvements. Ça a été fait. Et qu'on les donne aux il n'y a... Oh, André Braque, Trans en Provence. Les mystères en abondamment parlé. Traces physiques, analyse de votre collègue Bougnas, qui a révélé, enfin qui a expliqué que ce qui s'était passé dans la faune, dans la flore alentour, ne pouvait en aucun cas être reproduit en laboratoire par l'homme, et que les transformations moléculaires que les plantes avaient subies étaient inexplicables en l'état actuel de la science humaine. Trans en Provence, c'est le dossier par excellence. D'accord, mais aujourd'hui, les méthodes d'analyse sont telles qu'on pourrait avoir une signature immédiate et irréfutable de l'origine extraterrestre, soit du combustible, soit d'une petite trace, d'un petit reste. Ceci reste du domaine du possible, donc nous ne l'excluons pas a priori, mais nous sommes extrêmement prudents. Puisque c'est une affaire, André Braque, vous venez de nous le dire, pour l'instant encore de crédulité, plus que de preuves, je me demande si vous y croyez, aux ovnis. Non. Pas pour l'instant. J'aimerais y croire. J'aimerais en voir. Parce que ça serait formidable. Ça nous dirait qu'on n'est pas seul dans l'univers. Ce serait formidable. On ne serait pas dans notre petite planète perdue dans l'immensité. Il y a des dizaines de milliards d'étoiles dans la galaxie, des centaines de milliards de galaxies. Savoir qu'on n'est pas tout seul, ça serait formidable. On apprendrait beaucoup. Savoir que la vie n'est pas limitée à notre planète, ça serait formidable. Pour l'instant, je ne peux pas le dire, j'ai pas de preuves. Enfin, nous ne pouvons pas le dire, nous n'avons pas de preuves. Et vous, Richard Nolan, vous y croyez? Oui, oui.
franchement, le côté du témoignage qui se recoupe inlassablement et qui se recoupe donc depuis beaucoup plus longtemps qu'on le pense, moi, me convainc de l'existence du phénomène OVNI. Bien, en tout cas, André Braque, c'est pas un livre scientifique, mais c'est un livre à lire, je suis sûr que ça vous intéressera. Merci André Braque, merci Richard Nolin. On va se séparer un petit moment et puis on se retrouve dans quelques instants avec l'exploit, l'extraordinaire, le clou de mystère. On va retrouver en effet Jean-Marie Laforgue et son périple en aveugle dans la circulation parisienne à moto sous toutes les caméras de mystère. Dans un instant. Maintenant, Jean-Marie Laforgue, le film de l'exploit. Et quand je dis l'exploit, le film aussi des coulisses de l'exploit, selon la formule consacrée. Parce que rien ne va vous être caché. Tout, absolument tout, vous sera montré. À Paris circulent chaque jour plus de 3 millions de véhicules et le bilan est lourd. Presque 1500 accidents et accrochages quotidiens. C'est au cœur de cette circulation, d'où le danger peut surgir à chaque seconde, qu'un homme va conduire une moto en aveugle, les yeux bandés, la tête recouverte d'une cagoule. Les experts qui l'ont suivi pensaient que c'était impossible. Je m'appelle Philippe Monneret, j'ai gagné les 24 heures du Mans, troisième du championnat du monde d'endurance, et ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Cet exploit, il va le tenter sur cette puissante moto de 750 cm3, un monstre d'acier difficile à manier, même pour les motards avertis. Cet homme s'appelle Jean-Marie Laforgue, il a 38 ans, et c'est avec sérénité qu'il va affronter l'impossible. Pour cela, il va se préparer mentalement pendant plus de 10 heures. Comment croire que la méditation donne le pouvoir de conduire un tel bolide dans le noir le plus total? Selon lui, il tient son secret d'une tradition très ancienne. Je suis un monsieur qui travaille dans les sciences tibétaines, dans la maîtrise de l'esprit, dans le fait de pouvoir contrôler certains phénomènes dits paranormaux qui pour nous sont normaux, que malheureusement les gens n'utilisent pas. À 7 ans, j'ai rencontré un monsieur qui lui a vécu pendant 20 ans au Tibet, qui pendant de nombreuses années m'a appris à maîtriser ses facultés en évitant de cette manière qu'elles se retournent contre moi-même. Pour parvenir à contrôler peu à peu ses énergies, Jean-Marie va devoir se plier à une discipline très stricte, une absolue concentration et un jeûne total. Alors peut commencer son étrange voyage. Et à partir du moment où je rentre dans ma pièce de méditation, je commence à préparer mon esprit et mon corps. Je commence par calmer tout ce qui est le système respiratoire, à débloquer tous mes centres énergétiques, ce qu'on appelle bien souvent les chakras. Donc je suis obligé de faire des exercices de respiration, de méditation, apprendre à relâcher totalement mon corps, pour qu'il n'y ait aucun stress pendant l'expérience. Et ça nécessite entre 10 et 12 heures de préparation. Le mercredi 4 janvier 1994, à 14h15, après une nuit de méditation, Jean-Marie est prêt à affronter le flot ininterrompu de la circulation parisienne. Pour lui, la peur n'existe plus. Le mécanicien Alain Ramel est en charge de la moto. Il la transporte jusqu'au lieu du rendez-vous. Je suis à l'origine de la préparation de Jean-Marie Laforgue et du choix de la machine de Jean-Marie Laforgue. Alors ce choix peut surprendre un peu aujourd'hui, puisque c'est une machine très difficile à conduire, et Jean-Marie Laforgue n'est jamais monté sur cette machine. Et conduire une machine dans telle condition, c'est un truc de dingue, parce que c'est très difficile, la conduite de la moto, mais en plus, équipé comme il est en conduite aveugle, moi je le suis depuis un bout de temps, je ne comprends pas, ça m'angoisse, c'est fou.
Au même moment, Maître Lotte, huissier de justice à Paris, apporte les objets qui vont servir à masquer la vue de Jean-Marie Laforgue. Il les a en sa possession depuis 24 heures. Et après les avoir examinés, il les a mis sous scellé et les a enfermés dans un coffre. Personne n'a pu y toucher. À 14h20, Maître Lotte ouvre l'enveloppe. J'ai préalablement vérifié et contrôlé la cagoule, le sparadrap, le bandeau, constaté leur effective opacité, et je les ai ensuite placés sous scellés qui ont été ouvertes devant vous. Et tous ces accessoires, même pris indépendamment, empêchent absolument toute vision. Il est vrai que la multiplicité de ces accessoires, leur redondance, confère un caractère un petit peu spectaculaire à l'expérience, mais celle-ci aurait parfaitement pu se dérouler si seul le sparadrap et le bandeau avaient été apposés. Même voir la cagoule seule aurait permis à lui empêcher toute vision au cours de sa conduite. 14h25, Jean-Marie Laforgue arrive au lieu de rendez-vous. Il ne semble absolument pas nerveux. Son calme est étonnant. Il va rencontrer l'huissier pour la première fois et procéder à l'équipement qui le rendra complètement aveugle. Jean-Marie Laforgue, Maurice Lotte, huissier de justice, Philippe Monneret. Bonjour. Bien, monsieur Laforgue, je vous représente les différents accessoires qui vont être nécessaires pour cette opération et je vais vous demander dès maintenant de bien vouloir vous équiper. Si vous ne pas passer le sparadrap. Avant que Jean-Marie ne se colle le sparadrap sur les yeux, notre ingénieur du son va y glisser deux micros qui ont également été contrôlés par l'huissier. L'un sur le front, l'autre près de la bouche. Si ces micros peuvent nous permettre d'entendre les impressions de Jean-Marie tout au long du parcours, ils ne peuvent en aucun cas servir à lui transmettre des informations. Puis, Maître Lotte va faire des marques au feutre rouge pour pouvoir constater à la fin du parcours si le sparadrap a été déplacé ou s'il est toujours exactement à la même place. Coton. Sur le sparadrap, Jean-Marie va ajouter une importante épaisseur de coton. Ces deux éléments suffisent déjà à le plonger dans le noir le plus total. Pourtant, il va y ajouter un bandeau noir que Philippe Monneret va lui-même mettre en place. À partir de ce moment, Jean-Marie va retrouver le niveau de concentration dont il a besoin en utilisant une technique de respiration très spéciale. Dès qu'il estimera que sa concentration est suffisante, il enfilera le dernier élément, une cagoule totalement opaque. Puis, croisant ses mains tout en contrôlant sa respiration, Jean-Marie recentre ses énergies. Et soudain, il est prêt. Il part et se dirige sans hésitation vers la sortie. Après vérification complète de la moto, nos techniciens y ont installé deux caméras miniaturisées. Cette moto, Jean-Marie ne la connaît pas et il ne l'a jamais conduite. L'ingénieur du son branche les câbles des micros placés sur le visage de Jean-Marie Laforgue. Tout est prêt pour le départ et sous nos yeux ébahis, Jean-Marie démarre. Premier croisement. Si Jean-Marie continue tout droit, il percute la camionnette rouge à gauche. Incroyable, il l'a évité. Il arrive maintenant porte Dauphine. Selon l'itinéraire que nous lui avons précédemment montré sur une carte, il sait qu'il doit tourner à droite et prendre l'avenue Foch. Et il le fait, sans ralentir. Il se permet même d'accélérer.
Au prochain croisement, il y a un feu rouge. Comment va-t-il se comporter ? Là, nous allons arriver à un feu. Nous ralentissons. Jean-Marie semble avoir du mal à respirer. L'effort qu'il fournit le fatiguerait-il déjà alors que le plus dur reste à faire? Nous approchons de l'étoile. Nous passons le feu vert. Comment peut-il savoir que le feu est vert et qu'il peut accélérer? Passage spécial. Passage de l'étoile. Oui. Allons nous engager maintenant à l'étoile. Une voiture. Je suis fait par des voitures. Ça y est. Jean-Marie est place de l'Étoile, l'un des endroits les plus redoutés par les automobilistes et les motards, tant la circulation y est dense et difficile à prévoir. Pourtant, là encore, Jean-Marie se dirige sans hésiter vers le chemin prévu, les Champs-Élysées. Non, c'est bon. Un enfant à l'essence. Je doute de votre mère. Attendant le feu vert, c'est parti, il y a une voiture avec son gyro qui clignote devant. Orange. Non, il faut filer entre les voitures. C'est une voiture qui me sert. C'est une blonde sur la gauche. Ça va déchirer le mot de tête. Ici. Contrôle. Secteur là. Monsieur Camargue dans le taxi. Un autre monsieur. Qui s'est fait à côté. Bonjour. Il semble que le manque d'air provoque à Jean-Marie de violents maux de tête. Faites bien attention. Jean-Marie va être confronté à un automobiliste qui va lui faire une queue de poisson. Regardez bien la voiture grise sur la gauche. Jean-Marie a réussi à l'éviter. Il arrive maintenant à la place de la Concorde et tourne à droite. Mais si, mais c'est pas gentil, les chars. C'est une petite poisson. Il laisse la Concorde à gauche et se dirige vers les quais tout en doublant un camion blindé. Que se passe-t-il? Jean-Marie ralentit. Il semble avoir des difficultés à conduire la moto.
Il est sur le point de s'arrêter. Mais non, il repart. Il semblerait que l'effort de concentration soit de plus en plus difficile à soutenir. Jean-Marie quitte les quais pour rejoindre la place du Trocadéro, se faufilant entre les voitures. Il remarque tout, même les piétons qui traversent au vert. Pourtant, il ne voit rien. Boulevard Lannes, nous lui demandons de s'arrêter. Jean-Marie n'était pas prévenu de l'endroit où nous lui imposerions de changer de véhicule. Il va devoir conduire maintenant notre voiture. L'ingénieur du son débranche les câbles des micros que nous avons installés sur le visage de Jean-Marie. Il se dirige sans aucune hésitation vers la voiture. Jean-Marie se concentre et recentre ses énergies. Maître Lotte, l'huissier qui le suivait en moto, ne le quitte pas des yeux. Quelques secondes suffisent. Jean-Marie est prêt, il monte dans le véhicule. Vous voulez, on l'attaque ? Quatre passagers avec lui. L'huissier, le réalisateur, un caméraman et l'ingénieur du son. Ils restent silencieux. Ils n'ont jamais été conduits par un homme aveuglé. Jean-Marie freine et change de vitesse. Les passagers n'emmènent pas large. Pour revenir au lieu de départ, il doit négocier un tournant assez délicat. Voilà, c'est fini. Jean-Marie a passé toutes les épreuves. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Il a pu retirer, commence à pleuvoir là. On préfère à faire vite. On refait non, il pleut Didier, il pleut. Tu veux le refaire? On met l'étoile et... Ok, on refait l'étoile. Jean-Marie nous avait dit que faire la place de l'étoile en entier et en aveugle était l'un de ses grands rêves. Et le voilà reparti, juste pour le plaisir. Il fait un sans faute pour ce dernier tour de piste. Un dédale de véhicules venant de tous côtés. Enfin, il reprend l'avenue Foch. Et puis tout à coup, il ralentit, sans raison apparente. Quelque chose ne va pas. Jean-Marie s'arrête. L'huissier est tout de suite près de lui pour le surveiller. Jean-Marie est épuisé. Il n'arrive pas à reprendre son souffle. Son visage émacié nous inquiète. Nous l'avons ramené en voiture à la base de départ. L'huissier peut maintenant procéder à l'enlèvement des objets qui l'aveuglaient. Les marques n'ont pas bougé. Le sparadrap est identique à celui qui a été apposé. Et il n'a été en aucune manière déplacé. Vous savez que... Oui. Jean-Marie garde les yeux fermés, comme s'il ne pouvait les ouvrir après avoir été si longtemps dans le noir. Puis, l'huissier va le déshabiller pour vérifier qu'il n'a rien caché sur lui qui aurait pu l'aider ou le guider durant l'incroyable voyage. Voilà. Maître Lotte inspecte aussi les cheveux et les oreilles de Jean-Marie. J'ai constaté
de façon tout à fait officielle les conditions dans lesquelles l'expérience s'est déroulée. Elles se sont déroulées, de mon point de vue, sans aucune aide extérieure pour Jean-Marie Laforgue, sans aucune supercherie ou trucage apparent. Pour ma part, en tant que huissier de justice, mon rôle s'arrête là. Philippe Monneret nous donne ses impressions à chaud. Moi, quand je suis parti, j'étais vraiment sceptique. Là, je dois dire que je suis bluffé parce que il voyait pas. Hein. C'est sûr, il a conduit. Avant, j'ai essayé bien sûr la cagoule noir complet, donc c'est pour moi impossible de rouler dans ces conditions. Mais ben, là, je suis vraiment impressionné. Comment expliquer que Jean-Marie Laforgue arrive à conduire une moto et une voiture sans voir? Selon lui, c'est grâce aux nombreuses années qu'il a consacrées à la maîtrise de ses énergies et à la méditation qu'il peut sortir de son corps et voir autrement. Une sortie de corps, c'est le fait de pouvoir sortir son corps énergétique, qu'on appelle le corps astral, du corps. Alors là, c'est une sortie partielle, ce qui fait qu'on ne peut pas sortir la totalité, sinon le corps physique ne pourrait plus véhiculer. Les gens, bon, ça les fasse rêver, c'est une belle chose. Que les gens y croient, c'est une bonne chose. Qu'ils n'y croient pas, bon, je crois que ça, c'est leur problème. Mais qu'au fond d'eux-mêmes, qu'ils soient amenés à se poser des questions. Et je crois qu'à partir du moment où on se pose des questions, eh bien, un beau jour, on arrivera à trouver une image, une vérité. Voici celui que vous venez de voir donc dans son périple à travers la circulation parisienne, nous rejoint du fond de ce plateau, encagoulé, et je suppose, Maître Callot, vous pouvez l'attester, c'est-à-dire sparadrap, coton, bandeau et encagoulé, appareillé de la même façon que dans le film que l'on vient de voir. Tout à fait, il est parfaitement possible de voir, ni à travers le sparadrap, ni à travers le coton, ni à travers la cagoule. Ranqui, qui préside un comité d'expérimentation et d'expertise des phénomènes paranormaux, et qui est illusionniste, ainsi que son confrère Claude Géraldi, expriment des doutes et nous disent que beaucoup d'illusionnistes, de magiciens, entre guillemets, mais de music hall, sont capables d'effectuer les mêmes performances que Jean-Marie Laforgue. Alors, sous le contrôle de Maître Callot, je vais demander à Ranqui, et je vais vous prendre votre micro, de désappareiller, de décagouler Jean-Marie Laforgue et de nous dire si au moins pour ce qui concerne cet appareillage destiné à aveugler Jean-Marie Laforgue, sous le contrôle de Maître Callot, vous acceptez qu'effectivement ça le rend complètement aveugle. Alors, cette cagoule rend effectivement Monsieur Laforgue complètement aveugle, étant donné que c'est nous qui avons fourni cette cagoule. Voilà. Au dernier moment, on a changé la cagoule, ça c'est sûr. C'est le premier acte de contre-expertise de nos amis illusionnistes. Ils ont demandé pour ce court trajet, très court, à Jean-Marie Laforgue de prendre une cagoule qu'ils ont eux-mêmes fournie. Voilà. Parce que vous doutiez de l'opacité de sa cagoule à lui. Écoutez, je profite qu'il y a un public très large. On va essayer de dire les choses très clairement, hein, comme il se doit. Vous voulez certainement me poser la question de savoir si le bandeau est truqué. Eh bien, non. Il n'est pas truqué non plus. Bon, On lui enlève le bandeau. On l'a eu toute l'après-midi en notre possession. Oui, voilà, c'est ça. Ça n'est pas truqué. Le coton n'est pas truqué non plus. On constate que le... C'est Jean-Marie qui le préfère peut-être qu'on lui enlève d'un seul coup sec. Le sparadrap n'a pas bougé. Bon, alors, vous nous dites finalement qu'il y a peut-être un truc. Bien sûr, bon, c'est 8-10 mètres à la rigueur. Et tout est là. Mais vous avez vu le film ? Tout est là. Oui, mais sans nous, c'est un petit peu dommage. Voilà, le film, on ne peut pas le retenir, étant donné que vous nous invitez à visionner ce film après, alors que nous aurions dû être là avant. Les choses se seraient peut-être passées différemment. Est-ce que ça veut dire que vous ou un de vos confrères, Claude Géraldi Ranqui, aurait pu effectuer le même parcours, appareillé de la même façon que Jean-Marie Laforgue? Absolument. Ça se fait généralement avec une voiture décapotable. Bon, la moto, on nous a proposé de le faire, mais on ne conduit pas de moto, c'est dommage. Alors écoutez, moi je voudrais dire deux choses, parce qu'on ne va pas passer notre soirée sur cette controverse. Non, mais je vous fais une proposition honnête. Je vous fais une proposition honnête, mais d'abord, devant les téléspectateurs qui viennent de voir le film et devant le public qui est sur le plateau de Mystère, je suis obligé quand même
même de constater que vous mettez en doute l'honnêteté de la production de Mystère. Pas du tout. Car Jean-Marie Laforgue avait 9 caméras. Non. Bien sûr. Alors, dont à tout moment, il y en avait au moins 2 ou 3 sur lui. Mais j'ai expliqué... Aucun de ses faits et gestes n'a échappé à ses caméras. Tout à fait. Vous avez raison. Votre bonne foi n'est absolument pas à mettre en doute. On pourra refaire une expérience similaire, si vous le voulez, dans les conditions qui sont les nôtres, de la même façon, et les caméras filmeront la même chose. Ah ben moi, je vous fais une proposition. Allez-y. On refait un trajet analogue à celui qu'il a fait en moto dans Paris. Paris tenu. On vous fait la promesse morale que s'il n'y a pas de truc, tout au moins si on ne voit rien, on a l'honnêteté de vous le dire. On prend rendez-vous et puis Ranqui va quand même nous faire le coup de la cagoule. On va quand même partir par là, quoi. Puis c'est tout. Alors, je vois un caméraman, là, je vais lui rentrer en pleine dent. Hein ? Voilà. Ah, mais il n'était pas à moto, Bon, vous allez au fond, hein, vous allez au fond du studio, hein, Ranqui. Voilà. Alors, à moi, vous allez vous mettre les autres. Ceci dit, j'avais un bandeau de relaxation et j'ai pas compris la même chose tout à l'heure. Bien. Merci beaucoup. Merci, Maître Callot. Maintenant, merci, Jean-Marie, je voudrais qu'on soit un peu tranquille tous les deux. On dirait que vous y voyez moins sans cagoule qu'avec cagoule et que vous êtes complètement épuisé. C'est normal, ça nécessite quand même une concentration. Bon. Tenez, asseyez-vous là. Alors, vous nous avez dit que c'était difficile parce que vous pratiquiez une décorporation... Partielle. Celui de vous qui voit, il est où par rapport au motard qui conduit ? Sur le côté, légèrement sur le côté. Ah, vous pouvez le localiser ? Disons qu'on pourrait centrer une personne sensitive pour le ressentir. Et comment faire pour ne pas partir beaucoup plus loin et qu'à ce moment-là, le motard Jean-Marie Laforgue n'obéisse plus au... Je dirais au Jean-Marie Laforgue, astral ou éthérique. Là, je l'appelle une sortie partielle et justement, il y a un travail de nombreuses heures de préparation, donc de méditation, de respiration, de contrôle mental. Le plus épuisant, je crois, c'est qu'on n'a pas d'air. Au bout d'un moment, on s'asphyxie. La décorporation, ça peut être dangereux alors ? Absolument. Quand ce n'est pas maîtrisé, ça peut être très dangereux parce que les gens peuvent en faire même accidentellement en marchant dans la rue. Ils peuvent être au bord d'une syncope et faire une décorporation accidentelle. C'est arrivé, c'est très souvent des gens et j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Cela dit, j'ai un peu peur quand j'ai vu le film parce que je me suis dit, il y a plein de gens qui vont le voir, des jeunes surtout, des un peu fous de moto, de mobylette. Et pourvu qu'il n'y en ait pas un qui essaye de faire comme vous, il faut les mettre en garde quand même. Absolument, d'ailleurs, je recommande aux jeunes surtout de ne pas tenter ce genre d'expérience parce que pour le faire, c'est vrai que nous avons pris le temps, on travaille énormément dessus, mais on ne fait pas les affaires comme ça au pied levé, ça demande un travail, une concentration, des méditations, donc un travail sur soi. Donc je déconseille aux jeunes, même à toute personne, de tenter ce genre d'expérience s'ils n'ont aucune préparation au niveau état mental. Vous dites, ça me sert aussi à aider des amis médecins, c'est-à-dire quoi, vous les aidez dans les soins des malades? Mais je les aide dans le cadre d'intervention par le biais de l'hypnose sur les personnes qui ne supportent pas l'anesthésie. Donc on intervient sur le fait de rassurer le patient, de l'aider dans la préparation de son opération, dans son intervention. À ce moment-là, je trouve que c'est une réalité, c'est quelque chose de bien. De quoi vivez-vous ? Moi, de quoi je vis ? Bon, c'est vrai que j'ai mis en place un spectacle que nous produisons de temps en temps, mais c'est un spectacle d'hypnose. Je préfère m'abandonner un de temps en temps et pouvoir me consacrer à ce que j'aime, c'est-à-dire à la recherche. Merci Jean-Marie. L'or et l'éternité, la richesse et l'éternelle jeunesse. C'est un rêve vieux comme l'humanité et c'est celui que les alchimistes du Moyen-Âge poursuivaient en recherchant toute leur vie durant la pierre philosophale. Mais la transmutation des métaux en or... L'élixir de longue vie, ces utopies pour la plupart des gens et qui relèvent de l'obscurantisme le plus reculé, eh bien, elles font toujours, aujourd'hui, elles font toujours l'objet de très très longues recherches. Car vous allez le voir, les alchimistes sont toujours parmi nous. Depuis des millénaires, ils sont parmi nous et travaillent dans le plus grand secret. On les trouve dans le monde entier. Leurs découvertes sont étonnantes. Ils poursuivent le même rêve, un rêve que nous partageons tous. Ce sont les alchimistes. Ce qu'ils cherchent avec acharnement, c'est de transformer n'importe quel métal en or. Pour cela, il leur faut découvrir ce qu'ils appellent la pierre philosophale.
Mais cette pierre aurait aussi un autre pouvoir. Diluée dans l'eau, elle permettrait de prolonger la vie. Grâce à cet élixir, l'alchimiste pourrait ainsi vivre plusieurs centaines d'années. Tout alchimiste qui travaille réellement sur l'alchimie a une connaissance de la matière qui dépasse largement celle de nos scientifiques actuels. Tout simplement parce qu'il a accès à une vision différente de la matière. En Chine, en Égypte, en Grèce ou au Moyen-Orient, les alchimistes observent et étudient depuis toujours les secrets de la nature. Pionniers dans de nombreux domaines, ils sont à l'origine de découvertes que nous utilisons dans la vie courante. C'est aux alchimistes chinois que nous devons l'invention de la porcelaine, un secret qu'ils ont gardé jalousement pendant des siècles. Et il fallut plus de 1000 ans pour que les Occidentaux découvrent à leur tour comment fabriquer cette porcelaine tant convoitée. Et c'est toujours à la recherche de cette pierre philosophale que les alchimistes chinois, expérimentant des mélanges de différentes matières, ont trouvé, sans la chercher, la recette de la poudre à canon. En Europe, ce n'est qu'au Moyen-Âge qu'elle fait son apparition. Et désormais, la guerre ne sera plus la même. Les canons font maintenant des ravages sur les champs de bataille. Les alchimistes, en divulguant leurs secrets, étaient loin d'imaginer l'utilisation meurtrière qu'en feraient les hommes. L'histoire montre que leur quête n'est pas faite d'illusions, mais d'un travail concret, proche de celui des scientifiques. Certains alchimistes sont de véritables précurseurs, et c'est en manipulant des sels d'argent que l'un d'eux a fait une surprenante découverte. 100 ans avant son invention par Daguerre, un certain Tiphaine de la Roche a trouvé le principe de la photographie. Une autre application directement issue de l'alchimie, c'est l'alcool qu'on appelle l'Armagnac dans le sud-ouest de la France, dont le nom à l'origine était Arsmania, qui était le nom même de l'alchimie, et qui ensuite, par transformation successive dans le dialecte local, s'est transformé en Armagnac. Et d'ailleurs, on appelle cet alcool l'élixir de longue vie localement. Les alchimistes essaient surtout de percer le secret de la matière. Et bien avant les scientifiques, ils auraient pris conscience de la puissance de l'atome et de son utilisation la plus terrifiante, la bombe atomique. À travers les siècles, des personnages célèbres ont tenté de déchiffrer les symboles mystérieux de cette science occulte qui les fascinait. On sait que le philosophe René Descartes s'intéressait à l'alchimie, ainsi que la reine Christine de Suède. Comme Isaac Newton et Pierre Curie. L'alchimie, c'est un domaine qui a marqué les imaginations et qui a entraîné une modification chez ces individus-là. Ils ont tous été impressionnés probablement par le cas le plus connu qui est celui de Flamel, qui est devenu une légende populaire. La vie extraordinaire de cet alchimiste du XIVe siècle confond les historiens. Car nul ne sait aujourd'hui encore comment ce modeste écrivain public a pu devenir en quelques années l'un des notables les plus fortunés de France. Tout commence le jour où Nicolas Flamel achète un livre de gravure, le manuscrit d'Abraham le Juif. Ce livre l'intrigue. On y parle de mercure, de soufre, d'or et d'éternelle jeunesse. Il se met à l'étudier avec acharnement et finit par consacrer le plus clair de son temps à l'alchimie. Peu à peu, il apprend à connaître cette pratique immuable. Après avoir réussi à déchiffrer les symboles, il va patiemment rechercher les ingrédients et les matières nécessaires pour accomplir les recettes du grand œuvre. Broyer, puis mélanger, et enfin faire fondre la terre et les métaux dans le four. Tels sont les gestes qu'il devra, comme tous les alchimistes avant lui, répéter des milliers de fois pendant des années. Mais avant tout, Nicolas Flamel sait que l'aboutissement de son travail dépend de sa foi en Dieu ainsi que d'une parfaite communion avec la nature. Et Dieu prend de ton animé ce que tu auras vouloir, il est écrit 11 ou 12 parts mêlées. L'alchimie va le conduire vers de fabuleuses connaissances, mais le chemin pour y parvenir est semé de pièges et d'embûches. Le travail au laboratoire est un travail très dangereux si on ne le maîtrise pas. Il y a des vapeurs, il y a des matières et qui sont projetées, il y a des vapeurs que l'on respire qui sont excessivement nocives. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser parfaitement.
L'eau de pluie, l'écorce des arbres, les minerais, la terre, tous les ingrédients dont se sert l'alchimiste sont dans la nature. Mais il doit attendre le moment propice pour mener à bien ses expériences, en tenant compte des cycles lunaires et de la position des étoiles. Mais rien ne peut réellement commencer tant que l'alchimiste n'a pas trouvé la matière première, ce mystérieux métal à partir duquel, après transformation, il pourra enfin réaliser la pierre philosophale. Et pendant de nombreuses années, Nicolas Flamel tentera de découvrir ce métal en vain. Pourtant, les livres d'alchimie expliquent que la matière première est à la portée de tous, les riches comme les pauvres. Cette matière première, ça peut être quelque chose de très près du plomb, par exemple. Ça peut être aussi un dérivé du fer, ou un dérivé du cuivre, ou de tout autre métal. Et chaque alchimiste va avoir sa matière. En fait, on peut partir de n'importe quel minéral. Découragé, Nicolas Flamel part en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, où il va faire une rencontre déterminante. Visite les entrailles de la terre. Lis, lis, relis, prie, travaille. Et tu trouveras la matière cachée, véritable médecine. Nicolas Flamel rentre à Paris avec un nouvel espoir. Maître Canche lui a fourni de précieux renseignements. Grâce aux indications du vieil alchimiste, il se remet au travail. Enfermé dans son laboratoire, il va devoir tout reprendre depuis le début. Mais à présent, il sait que le but est proche. Il maîtrise enfin tous les éléments et cette fois, il espère bien réussir. C'est au cœur de l'Athanor, le four utilisé par les alchimistes, que tout va se décider. Ce n'est plus qu'une question de temps. Après 21 ans de patience et d'obstination, Nicolas Flamel devient à son tour un adepte, l'un des rares élus à avoir percé les secrets longtemps inaccessibles de l'alchimie. Il possède enfin la pierre rouge décrite dans les livres d'alchimie, la pierre philosophale tant espérée, qui apporte richesse et jeunesse éternelle. C'est l'ultime épreuve. Nicolas Flamel enveloppe des fragments de la pierre rouge dans de la cire pour les jeter dans du plomb en fusion. S'il ne fait pas d'erreur, il obtiendra de l'or. La réussite est totale. L'histoire rapporte qu'à partir de ce jour, Nicolas Flamel devient fabuleusement riche. Très vite propriétaire de plus de 30 maisons à Paris, il fait construire des églises et des hôpitaux. Cet or qui sert pour aider, pour, comme Flamel a pu le faire, en distribuant ses richesses pour créer des hôpitaux, pour faire des fondations, pour faire des églises, pour aider les pauvres, il n'a jamais rien gardé pour lui. Et c'est le but de l'alchimiste, c'est de pouvoir faire le bien. Aujourd'hui, le rêve des alchimistes est devenu une réalité scientifique. À l'intérieur de machines sophistiquées, il est désormais possible de transformer n'importe quel métal en or. Oui, les physiciens nucléaires savent transformer le plomb en or, par exemple réaliser ces transmutations. Ce que l'on sait en chimie, c'est que, vu les quantités d'énergie mises en jeu, dans les conditions où nous travaillons, ceci est parfaitement illusoire d'un point de vue, je dirais, économique. Et en tant que chimiste, je peux penser que les procédés mis en jeu par les alchimistes à leur période glorieuse étaient tels qu'il ne leur était absolument pas possible de réaliser ces transmutations. Et pourtant, malgré leur modeste laboratoire, les alchimistes auraient devancé certaines découvertes de la physique nucléaire. La référence du XXe siècle, c'est l'alchimiste connu sous le pseudonyme de Fulcanelli, qui avait une connaissance parfaite du fonctionnement de la pile atomique, alors que personne au monde à l'époque n'était en mesure de dire exactement comment fonctionnait cette pile. En 1937, à Paris, un chercheur en physique nucléaire, l'auteur du célèbre livre Le Matin des Magiciens, Jacques Bergier, est contacté par un certain Fulcanelli. L'homme se dit alchimiste et insiste pour le rencontrer.
Il aurait d'importantes révélations à lui faire. Ses travaux l'ont persuadé que l'utilisation de l'atome présente un danger terrible pour l'humanité. Il affirme qu'une arme atomique peut être fabriquée à partir de quelques grammes de métal et raser des villes. La radioactivité produite empoisonnerait la planète en quelques années. Selon lui, les alchimistes le savent depuis longtemps. Ensuite, à la fin de la guerre, Jacques Bergier fut contacté par un mystérieux major de l'armée américaine qui travaillait pour une commission du nom de Alsos. En fait, ce qui intéressait énormément la commission en question et la CIA par la même occasion, c'était de retrouver cet homme qui, avant-guerre, avait décrit le principe de la pile atomique et par conséquent l'utilisation qu'on pouvait en faire pour la construction de la bombe atomique. Aujourd'hui, à l'orée du troisième millénaire, les alchimistes existent toujours. Des hommes, des femmes que nous ne soupçonnons pas se veulent les héritiers de cette étrange science dont ils perpétuent la tradition dans le secret de leur laboratoire. C'est le cas de Bertrand, commerçant, père de famille. Je suis alchimiste, j'étudie l'alchimie depuis une vingtaine d'années. Mon but, c'est bien évidemment de trouver la pierre philosophale et j'espère y arriver. Depuis la nuit des temps, rien n'a changé. Les gestes restent les mêmes. Comme les milliers d'alchimistes qui l'ont précédé, Bertrand se joue corps et âme à sa recherche. Personne ne pourra l'aider ni le guider. Cette quête est avant tout solitaire. Il faut avoir la foi pour commencer à travailler en alchimie. Et c'est cette foi qui vous pousse, qui vous guide. C'est une quête. Je serais même tenté de dire que cela peut s'apparenter à une vocation. J'ai la certitude que l'alchimie est une réalité parce que on la ressent en soi, je la ressens en moi. Tous ces livres n'ont pas été écrits, n'ont pas été basés sur des élucubrations. Les transmutations métalliques sont prouvées historiquement, ça ne fait aucun doute. Pour les sceptiques, l'alchimie reste une chimère. Mais pour d'autres, elle est une réalité à laquelle ils consacrent leur vie. Pour eux, la quête de l'alchimiste est avant tout un message d'espoir. L'alchimie doit le transformer en un homme meilleur, presque parfait, comme elle transforme le vulgaire métal en or. Nous avons sur le plateau ce soir Jean-Louis Garillon, qui est homéopathe, Patrick Rivière, diplômé en psychologie, en droit, en philosophie, qui est historien, mais qui s'intéresse et qui ne fait pas que s'intéresser d'ailleurs à l'alchimie. Et puis Georges Osorio, qui est actuellement, qui n'est plus en activité, mais qui était ingénieur en physique, en chimie et en biologie au commissariat à l'énergie atomique. Ça n'est pas rien. Ben, tous les trois, à des titres divers, ils en ont des choses à nous dire sur l'alchimie. Patrick Rivière, je commencerai par vous. Vous êtes bardé de diplômes. Seulement l'alchimie vous intéresse. Et vous pratiquez. Je m'intéresse à l'alchimie depuis plus de 25 ans. C'est une quête qui m'a amené à rencontrer, en fait, Dieu dans la nature et à trouver la place de l'homme, justement, face à la nature et au monde divin, au monde céleste. Et vous-même, qui est par les anciens. Vous faites des recherches vous-même ? Vous avez un labo ? J'ai un laboratoire, effectivement, j'effectue des recherches depuis fort longtemps et évidemment ces recherches ont débouché sur un certain nombre de découvertes et je travaille actuellement aussi avec des laboratoires, de type pharmaceutique. Ouais. Et vous, pour ce qui vous concerne, vous cherchez plus la transmutation des métaux en or ou l'élixir de longue vie ? En ce qui me concerne, je chercherai plus l'élixir de longue vie. L'élixir de longue vie est une réalité, ce n'est pas une chimère. L'élixir de longue vie permet donc de prolonger la vie au-delà de ses limites conventionnelles. La médecine, est-ce qu'elle entretient toujours des rapports avec les alchimistes modernes ? Est-ce que ce petit monde travaille ensemble ? Est-ce que ça aboutit à des résultats ? Vraisemblablement, non. Mais les alchimiques, il leur est arrivé dans l'histoire de trouver des médicaments par hasard ? Bien sûr, le phosphore est une découverte alchimique. Qu'il a découvert. Ouais. Oui, beaucoup d'éléments, disons, qui nous sont parvenus, nous sont d'origine, disons, ont été obtenus par voie alchimique, n'est-ce pas ? Mais à l'étranger, dans d'autres pays d'Europe, en Suisse et en Allemagne, oui. Il y a des laboratoires pharmaceutiques qui travaillent avec des alchimistes. Oui.
ça commence, disons, à se développer au niveau européen. Et c'est une bonne chose. L'ouverture de l'Europe nous apportera un plus en semaine. Et dans cette collaboration, est-ce qu'il y a déjà eu des découvertes qui résultent de cette collaboration? Est-ce qu'il y a eu des choses qu'on a trouvées et qui sont d'ores et déjà appliquées, quoi, par exemple? Bien sûr, mais ce sont souvent des redécouvertes, même. Ce sont des redécouvertes. Est-ce qu'il y a des découvertes de l'alchimie qui ont apporté vraiment un progrès à la pharmacie? Et lesquelles? Les préparations alchimiques apportent un surcroît d'énergie, un surcroît de vitalité. Hein, c'est ça le propre de la médecine de longue vie. C'est ça, c'est de recharger en fait l'individu. C'est extrêmement important, c'est là le véritable problème de l'immortalité. Et ça, c'est une chose que l'on ne peut pas laisser de côté quand on envisage l'alchimie. L'alchimiste n'est pas un faiseur d'or, hein, ça c'est très clair, c'est important. Pourtant, il cherche à être un faiseur d'or. Non, parce que le fait de pouvoir transmuter du plomb en or est pour lui, en quelque sorte, la preuve par neuf, c'est accessoire, qu'il est sur la bonne voie de la réalisation de l'élixir. Bon, laissons un peu de côté l'élixir de longue vie, revenons à la transmutation des métaux. Mm-hmm. On a là, à côté de vous, Georges Osorio, ingénieur physique, chimie, biologie, qui était donc au commissariat à l'énergie atomique. La transmutation des métaux en or, par la technologie moderne, est-ce que c'est possible? C'est possible. Bien sûr. C'est possible. C'est tout à fait possible. Grâce à quoi? C'est une question d'énergie. C'est une question de choix. Mais est-ce que vous y croyez, à cette démarche de l'alchimiste? Est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce qu'elle vous passionne? Elle me passionne dans le sens où, malgré tout, elle fait intervenir un certain nombre de données de la science actuelle. L'alchimie a devancé la science moderne parce que elle recherche, que recherche la science moderne au travers des transmutations, au travers de tous ces engins, ces accélérateurs et autres que l'on construit dans les centres d'études, c'est tout simplement d'arriver à cette espèce d'ultime niveau énergétique de la matière. En somme, arriver à cette intimité de la matière, à la connaître. Que fait l'alchimiste? Il nous a devancé depuis longtemps. Oui. En tout cas, merci quand même d'être venu à Mystère, parce que je ne pensais pas qu'il soit facile, c'est pas très facile d'ailleurs, de trouver des gens qui parlent d'alchimie à la télévision comme ça. C'est peut-être une première. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Voilà, c'est le moment du journal de Mystère avec Marielle Fournier. Nous allons le feuilleter ensemble. Et puis après, une dernière démonstration, une dernière expérience avec Jean-Marie Laforgue. Vous verrez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Mais d'abord, Marielle, bonsoir. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. L'homme des cavernes avait-il conçu en son temps le spectacle, image et son? C'est ce que tentent à prouver en tout cas les études d'un Américain, Steven Weller, spécialiste de l'art figuratif dans les cavernes. Alors, qu'a-t-il démontré? Eh bien que les animaux représentés à l'intérieur des cavernes n'étaient pas choisis par hasard, mais en fonction de l'acoustique des lieux. Alors, quand par exemple l'acoustique est bonne, que le niveau sonore est élevé de l'ordre de 30 décibels dans des grottes profondes comme celle de Lascaux, eh bien les animaux sont gros, ce sont des bisons, des taureaux ou des chevaux. Quand au contraire l'acoustique n'est pas très bonne, que le niveau sonore est inférieur à 7 décibels, les animaux sont plus petits comme des félins. Alors tout ça pourquoi? Eh bien parce que l'homme des cavernes organisait déjà des spectacles. Il admirait ses fresques en tapant dans les mains ou en tapant sur des pierres, en tout cas en faisant du bruit, pour imiter le son des animaux et en fait pour sonoriser la caverne. C'était les prémices de la mise en scène et puis de l'audiovisuel. Je vous propose maintenant de partir dans le midi de la France, dans le Haut-Var précisément, où depuis 2 ans, des centaines de moutons ont été retrouvés morts, mutilés. Comment? Pourquoi? Qui se cache derrière ces étranges mutilations? Ça reste une énigme. Regardez. À quelques kilomètres des gorges du Verdon, dans le Haut-Var, depuis maintenant 2 ans, plus de 1000 moutons ont été retrouvés égorgés. Aucune des bêtes n'a été dévorée par son mystérieux prédateur. Les attaques ont commencé sur le camp militaire de Canjuers, qui occupe 35 000 hectares de la région. Toutes les autorités ont été alertées. Le conseil général, la préfecture, une pluie de plaintes est tombée sur le bureau de la gendarmerie. À ce jour, aucune explication n'a été apportée. Ce berger a perdu plus de la moitié de son troupeau, c'est-à-dire 150 moutons tués ou disparus. Mmh.
Comme les autres, il cherche une explication. Pourquoi le prédateur ne mange-t-il pas ses proies? Pourquoi n'a-t-on pas retrouvé d'empreintes à côté des corps mutilés? Certaines bêtes ont été autopsiées, mais les comptes rendus n'ont pas été publiés. Alors les bergers se réunissent, on parle de chiens, de loups, de lynx ou peut-être pire. Et il y avait des traces de morsures. Oui, des traces de morsures. Moi j'ai des bergers, là il n'a pas pu venir. Il est en train de coucher à côté de son troupeau la nuit. Il entend une clochette juste bouger, il voit la bête est déjà morte. Il voit rien. Donc ne me dites pas que c'est les chiens. Que le prédateur ne se nourrit pas en plus. Le prédateur a fait que de tuer. Et il peut se faire qu'il y a une chose, en fait, je ne sais pas l'autre, qu'il y ait des lynx, des loups et peut-être des pumas. Alors que les bergers tentent de percer l'énigme de ces mystérieuses attaques, les massacres continuent. La proximité d'un camp militaire amène d'étranges rumeurs et certains prétendent qu'on voudrait chasser les bergers de la périphérie du camp où ils sont autorisés à faire paître leurs troupeaux. Pourtant, les militaires affirment au contraire avoir besoin des moutons. Il s'agit de préserver l'équilibre de la végétation. Le camp est couvert sur à peu près 40% de sa surface de forêt, de bois. Il ne faudrait pas que cet équilibre soit rompu. Et pour cela, l'existence de troupeaux de moutons nous permet de maintenir cet équilibre. D'ailleurs, les moutons entretiennent les 108 km de bande coupe-feu qui encerclent le camp pour éviter les incendies que pourraient provoquer les tirs d'artillerie. Et puis à Conjuers, les militaires, eux aussi, ont cherché la bête. Au mois de juillet, nous avons organisé en liaison avec la Fédération française de chasse une battue au renard. Et nous avons donc sillonné de nuit la plupart des pistes du camp. Et à part le gibier bien connu du camp, chevreuil, sanglier, lièvre, nous avons vu que quelques renards, mais nous n'avons pas vu d'animal tel lynx ou loup. Dans la lande du plateau de Canjuers, la bête court toujours. Aucune enquête n'a abouti et à chaque attaque, des dizaines de bêtes meurent. De deux choses l'une. Ou rien n'a été fait pour comprendre. Ce qui est grave, car cela contribue à maintenir la pression pénible d'une inquiétude où quelque chose a été entrepris et on ne veut pas dire quel en est le résultat. La bête du Haut-Var reste une énigme. S'agit-il d'une meute de chiens sauvages, d'un loup, d'un lynx ou comme certains le murmurent, s'agit-il d'extraterrestres ? Étrange mutilation donc, bien qu'elle ne soit pas comparable à celle constatée aux États-Unis, des mutilations beaucoup plus suspectes et que l'on attribue là-bas avec sérieux aux extraterrestres. Du nouveau maintenant sur le monstre du Loch Ness, baptisé Nessie depuis qu'on l'a vu pour la première fois à la fin du siècle dernier en Écosse. Eh bien, il s'agirait probablement, mais c'est à mettre encore au conditionnel, d'un esturgeon de la mer Baltique. Et oui, c'est en tout cas l'animal qui correspond le mieux aux descriptions du monstre. L'esturgeon peut mesurer 3 mètres, peser 200 kilos. Il a aussi un petit air de famille avec un reptile. Il est capable de remonter le courant de la rivière pour venir se reproduire dans le lac. Donc l'hypothèse est prise très au sérieux. Mais l'un des scientifiques qui a participé à ces études a confié qu'il préférait au fond s'être trompé pour que le mystère et le merveilleux reprennent le dessus en Écosse. Enfin, pour terminer, puisque nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin, permettez-moi de vous parler d'amour, ou plutôt d'amoureux ô combien exubérants que sont les pigeons. Eh bien, figurez-vous que leur roucoulement n'a plus aucun secret pour nous. On pensait que le roucoulement de madame permettait de séduire monsieur pigeon, ou bien en tout cas qu'il permettait de manifester un certain plaisir. Eh bien non, il peut davantage, puisque le roucoulement provoque véritablement l'ovulation. C'est ce que vient de démontrer une biologiste américaine. Alors comment ? Eh bien, elle a privé le pigeon de roucoulement en sectionnant le système physiologique qui lui permet de roucouler. Et que s'est-il passé en présence d'un mâle ? Pas d'ovulation. En revanche, en retirant le mâle, mais en faisant entendre à madame pigeon ses propres roucoulements, l'ovulation a repris immédiatement. Vous voyez que le chant d'amour est moins romantique, mais en tout cas plus efficace. Bonsoir. Alors, la forge va maintenant se livrer à une autre expérience qu'il a d'ailleurs pratiquée à plusieurs reprises.
mais pour laquelle il a besoin du concours d'un certain nombre d'entre vous. C'est une expérience sous hypnose. Alors Jean-Marie souhaite avoir 8 à 10 volontaires. Vous traversez le plateau, parce qu'on va tous les mettre de ce côté-là, c'est ça ? Vous allez être trop nombreux là. Est-ce que ceux qui ne veulent pas être hypnotisés peuvent prendre la place des autres ? On va commencer par la première personne. On va commencer par la première personne. Ça prend du temps, Jean-Marie ? Non, ça va très vite. Bon, faut que je me taise maintenant, peut-être. Oui. Qui veut essayer, la première personne ? Silence, alors. J'insiste pas. Même. Bon, j'en essaie le pied. On respire calmement. Calme, tranquille, on me fixe, plus de force, on s'écroule. Dormir totalement, dans un sommeil lourd et profond, on n'a plus de force, c'est fini. On est bien calme, tranquille, détendu, totalement bien. Calme, tranquille, détendu, on se sent bien. On est toujours bien, calme, tranquille, la respiration, calme. On joint ses deux pieds, on me fixe bien, on s'écroule. Dormir profondément, un sommeil lourd et profond, on est bien calme, tranquille, détendu, on se sent bien. Au suivant. Que totalement bien, calme, tranquille, détendu, on se sent absolument bien. On va vous mettre là. On est bien, on continue d'être bien. On joint ses deux pieds, on me fixe bien. On s'écroule, dormir, un sommeil lourd et profond, le corps n'a plus de force, c'est fini, on se sent totalement bien, calme, tranquille, détendu. On se sent absolument bien. Totalement bien. On joint ses deux pieds, calme, tranquille, décontactez-vous. On me fixe bien, on n'a plus de force, on s'écroule. Non, vous êtes bloqué, je n'insiste pas. On joint simplement ses deux pieds, on respire calmement. On me fixe bien, on n'a plus de force, on s'écroule. Le corps devient complètement mou, on n'a plus de force, on s'écroule. On joint profond, lourd, profond. On s'écroule totalement, complètement. Tendu, on joint ses deux pieds, on me fixe bien. Pendant quelques secondes, vous enlevez votre veste. Vous êtes bien, vous avez envie d'enlever votre veste et vous l'enlevez. Rapidement. Pour les autres, non. On ne bouge pas pour les autres. Au passage, vous avez envie d'enlever la chemise, vous l'enlevez rapidement. On est bien, on se rallonge, on est confortablement installé. Toujours pour vous, jeune homme, et uniquement pour vous, les deux bras plaqués le long du corps, les deux jambes se resserrent l'une contre l'autre rapidement. Désormais, de la tête aux pieds, votre corps devient une barre d'acier impossible à plier. Dur, de la tête aux pieds, une barre d'acier impossible à plier. On va le prendre, on va le mettre là-bas. Impossible à plier. Le corps reste dur. On se déploie. Très dur, impossible à plier. Voilà, on va en là-bas. Voilà, ce que vous voyez là, c'est un paquet de verres de tessons de bouteille. On est bien, le corps se détend, devient complètement mou, on se sent bien. Absolument bien. Totalement bien, on est bien, totalement décontracté, détendu. Oui, tu que ça glisse. On est absolument bien, calme, tranquille, totalement bien. On a presque l'impression de se trouver dans son lit, on est bien. Absolument bien, on est bien, on est prêt, on est absolument bien. Bien. Absolument bien, on est. Les deux jambes se resserrent l'une contre l'autre rapidement. Les bras plaquent le long du corps, on se sent absolument bien. Totalement bien. Bien. Bien, on ne bouge plus. Absolument bien. On se met debout. On est bien. 1, 2, 3, on se réveille. Ça va, jeune homme ? Et vous savez ce qui vous est arrivé ? Eh bien, vous étiez couché là-dessus. C'est des tessons de bouteille. Il avait mis la planche sur votre ventre et il est passé sur la planche à moto. Bon, eh ben, écoutez, on va réveiller les autres. 5, 4, 3, 2, 1, 0, on se réveille. Eh ben, vous ne savez pas à quoi vous avez échappé. Bien voilà, ben, c'était donc la dernière expérience de Jean-Marie Laforgue ce soir. Je crois que des illusionnistes conteste en quelque sorte ses pouvoirs hors du commun. D'ailleurs, ils nous ont donné un rendez-vous, on leur a donné un rendez-vous. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre émission. Au revoir. Au revoir, Jean-Marie. Voilà, eh bien, Mystère est terminé. Un numéro de Mystère vraiment exceptionnel. Je suis sûr que vous en êtes tous convaincus et que vous avez passé une excellente soirée. Avant de se séparer, je vous rappelle les informations essentielles pour participer d'abord à l'émission Mystère 3615 code TF1. Et puis, pour nous faire parvenir les histoires extraordinaires que vous pourriez connaître, Mystère, boîte postale 2008, vous le voyez sur votre écran, 92 518, Boulogne-Sedex. Bonne fin de soirée et à la prochaine.